Dans quel cadre la mare est-elle creusée? C'est un projet dans le cadre des trames vertes et bleues en partenariat avec le parc des Vosges du Nord. Donc c'est pour recréer de la biodiversité localement parce qu'avec les tempêtes, l'urbanisation, l'agriculture, tous ces milieux en ont un peu souffert. Donc le projet est à l'arrière de l'école parce que donc c'est en partenariat avec les écoles primaires et dans le but de que les écoliers puissent s'y rendre et étudier la faune et la flore locale. Il y a d'ailleurs eu sur 3 ans, donc de 2020 jusqu'à 2022, donc des animations par le parc des Vosges du Nord à l'école chez les élèves d'école primaire qui présentaient la faune, la flore locale. Ils ont fait également des plantations sur l'école, sur le stade qui se trouve juste à l'arrière. Et il y aura également des plantations là au mois de décembre autour de la mare. Quel a été le coût du projet ? Le coût global du projet, donc dans le cadre des trames vertes et bleues avec le parc des Vosges du Nord, qui comprend les animations, la mare et la plantation des bosquets, est de 44 000 euros. Et donc de ces 44 000 euros, il reste 12 000 euros à la charge de la commune. Le reste, donc, ce sont le parc et ses partenaires qui le prennent en charge.